Chers amis, bonsoir, bienvenue. Bien, je suis très heureux de vous accueillir tous pour ce quatrième festival du film artisanal et audacieux. Et je remercie bien évidemment les autorités et notamment la ville de Joyeuse, représentée ici par son plus haut magistrat. Deuxième merci, bien évidemment, à notre invité d'honneur, Jean-Pierre Mauquier. C'est le symbole du festival, parce que c'est le symbole du cinéma artisanal et audacieux. C'est l'homme, le seul peut-être en France, qui à travers vents et marées, continue inexorablement à faire des films, à faire des choses magnifiques que l'on gagne à voir. Mauquier, il est libre, Mauquier, il est indépendant, et Mauquier, il avance, et il avancera jusqu'à ce que... Jusqu'au bout. Ouais, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Alors, au nom de la municipalité de Joyeuse, je déclare ouvert le 4e festival du film artisanal et audacieux de Joyeuse. Merci le gaffeur, c'est artisanal, c'est audacieux. Et ça se passe tout de suite maintenant. C'est dangereux. Pour ceux qui tombent en bas le pied d'un truc. Tu peux marcher à côté. Je marche à côté. Voilà. Je ne sais pas s'il y a toutes les affiches, mais ça, c'est gentil. Y avoir pensé. Ben oui, c'est les affiches. Ben dis donc, merde, mais vous êtes drôlement démerdés. Ah ben, ça me fait plaisir que tu le dises. Ah ben ça, c'est vrai, hein, c'est rare d'avoir des gens qui en ont fait. Celui-là, il n'est pas seigneur. Eh oui, ben bah, dis donc, ça en fait, oui. Ah ben, bah, tu t'imaginais pas. Celui-là, c'est celui d'hier soir. Ben bah, oui, voilà. Ben bah, dis donc, bon, oui, mais vous êtes fendu de tout ça avec. Ah ben, bah, tiens. Voilà. Allez, hop. Ben bah, oui, il y en a. Il y en a beaucoup. La venue de Jean-Pierre, c'était un peu comme marcher sur la Lune. Et puis un jour... la NASA a réussi à envoyer des gens sur la Lune. Mais pour l'équipe du festival artisanal et audacieux, c'était ça. Et si la NASA est allée sur la Lune, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont travaillé avant. Il y a eu Galilée, il y a eu Copernic, il y a eu plein d'étapes. Et donc je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé depuis la première année du festival, depuis 4 ans, pour que nous arrivions à... intéressé Jean-Pierre à ce que nous pouvions faire au fin fond de l'Ardèche. L'Ardèche, c'est un pays que je connais depuis des années. C'est une région qui est restée comme elle était au début du siècle. Alors on voit ces maisons, c'est tout ce que je vois quand je parcours ces routes sinueuses. Et c'est vraiment pour nous un décor de cinéma. C'est vraiment là où on devrait tourner beaucoup de films parce qu'il y a de tout, il y a tout. Il y a le médiéval, il y a les châteaux, il y a les forêts, il y a les rochers, etc. Je voudrais te poser des questions dans le cinéma. Oui. Puisque nous avons eu le plaisir pendant 3 soirées de voir 3 œuvres, moi je me dis, tiens, je vais regarder ces 3 films et essayer de dégager quelle est la signature de Mauquier. Entre Le Renard Jaune, Le Drôle de Paroissien, Pierre Jacques. En tout cas, ce qui m'a frappé dans les 3, c'est que c'est toujours des films avec, je disais, des tronches de vie. C'est-à-dire des tronches, des acteurs, certains même des figurants, des acteurs qui ont vraiment une gueule. Tu parles des 3 films que j'ai faits. Quel est le dénominateur commun de ces 3 films? C'est tout simplement l'originalité du sujet. C'est-à-dire, un pilleur de troncs, ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire, tout le monde a été dans une église, tout le monde a vu des troncs, tout le monde a mis de l'argent dans un tronc, mais personne n'a fait un film sur les troncs, depuis que le cinéma existe. C'est-à-dire, depuis 1900, vous pouvez chercher dans les encyclopédies, vous ne trouverez jamais un film sur les pilleurs de tronc. Enfant, j'adorais le cirque et je vois qu'aujourd'hui, les enfants aiment encore le cirque. Et si le cirque existe aujourd'hui encore, c'est parce qu'il y a des enfants. Car c'est les enfants qui font vivre tous ces cirques que vous voyez. Et c'est magique, ça, le cirque. Mes personnages, on parlait tout à l'heure, les personnages avec des gueules, etc., c'est du cirque.
et à partir de 4 heures, on part visiter l'espace de reconstitution de la grotte Chauvet. La grotte a été entièrement très conservée, aucune altération, parce qu'il y a un éboulis, ouais. Le portant d'entrée, certains qui est tombé. Pendant 22 000 ans, personne n'a pénétré dans ce lieu. Et c'est M. Chauvet qui est rentré un dimanche. Par rapport à la grotte du Coster, ça représente des buffles, des lions, des chevaux, beaucoup de lions, des ours, hyènes. Alors moi, on m'a dit que c'était le début du cinéma, parce qu'on voit des pattes, ils ont l'impression de courir. C'était déjà un mouvement à la Méliès au début du siècle. Quand on a découvert. C'est curieux, ils auraient découvert le cinéma il y a 30 000 ans. On va passer par là. Alors là, là, vous avez exactement la réplique du stéréo, avec la forme, le relief, les dessins, la couleur, tout. À l'échelle 1. À l'échelle 1. La vie, c'est là-bas, la montée. En fait, il y a toute une narration dans la vie. Les gens, ils regardent dans l'air. Non. Après, ça va descendre. Le sol, il est à la limite rouge, là. Ah bon, alors, ouais. Ça y est, vous allez remonter ça. Ouais. Oh là là. Quel boulot. Ah oui. On est vraiment... Là, ils sont là, eux, ils travaillent. Il y a du travail partout, là. Ils ne chôment pas, les mecs, avec tout ça. Allez, off. Il ne va pas me tomber. Je suis sur la tête, maintenant, on sort de là. C'est beau, oui. Alors, heureusement que je suis solide. Vous vous rendez compte, on a fait, je ne sais pas combien de kilomètres. Ça valait la peine. Ah oui, c'est intéressant. On ne peut pas dire que c'est inintéressant. Donc, le Festival du film artisanal audacieux a démarré il y a 2 jours maintenant. Mesdames, Messieurs, Jean-Pierre Bocchi. Le court-métrage, c'est important, le court-métrage, parce que c'est le début de leur carrière, moi c'est la fin de ma carrière. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces jeunes qui font des courts-métrages, ils vont devenir un jour peut-être des metteurs en scène comme moi. Donc il faut les aider, il y a quelquefois des imperfections dans leur travail, mais il y a aussi des qualités. Qualité, dans chaque court-métrage, il y a une qualité. Alors on choisit dans une sélection selon son goût. Un jury, vous savez, un jury, il est comme tout le monde, hein, il a ses goûts particuliers, il n'est pas complètement éclectique, il n'est pas complètement impartial. Parce qu'il aime ce que lui aime. S'il n'aime pas telle chose, il va pas aimer le film. Si vous parlez d'un sujet qui n'intéresse pas, le jury lui-même va pas être très chaud. Viens, Titi. Titi, viens là. Monte-là. Voilà. Bravo. Ouais. Ouais. C'est ma première fois, c'est un cabot qui préside. Non, pas. Reste là. Titi, crève l'écran. Je souhaite demander à chacun des membres du jury que vous avez en face de vous de se présenter... En quelques mots, bonsoir. Voilà, je me présente. Je m'appelle Enrico Alexander Giordano. Je suis cinéaste, ça veut dire producteur, auteur, réalisateur. Voilà, j'ai fait 3 longs métrages. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti en salle. Le troisième. Ah oui, qui s'appelle Maître du Monde. Il est présenté, voilà, avant qu'il est sorti en 2011, à la première édition, le festival audacieux et artisanal. Voilà. Bonsoir, moi c'est Muriel Pascal, je suis originaire d'ici, j'ai travaillé sur Montpellier en tant que comédienne et metteur en scène. Et excusez-moi, le chien il me perturbe un peu. Donc voilà, moi je suis dans la partie du théâtre. Bonsoir, alors je suis la dernière arrivée des membres du jury. Je suis Claire Corlier, je suis comédienne de théâtre et de cinéma depuis quelques années. J'ai eu le bonheur de jouer, enfin de dire mes premiers mots devant la caméra dirigée par Jean-Pierre Bocchi. Je fais partie d'un collectif qui mélange théâtre et vidéo et cinéma et cirque qui s'appelle le collectif 4L. Bonjour, donc moi je suis Bernard Sazia, je suis chef monteur. Donc je travaillais avec différents réalisateurs, Zabou Breitman, Duperron, Delphine de Vigan, enfin. Et j'ai aussi travaillé, j'ai monté tous les films de Robert Guédiguian. Et je suis réalisateur avec Clémentine Yannick. Donc on a fait un film qui est c'est-à-dire une sorte de montage. Vous prenez tous les films de Guédiguian et vous les détournez et ça devient un vrai film. C'est-à-dire c'est un film écologique, c'est un film comment dans un monde où il y a déjà plein de films tournés, on peut faire un film à partir du film des autres. Bonsoir, moi c'est Michel Éloi.
comme tous les gens qui sont derrière les caméras, j'ai hors de parler. Sinon, j'ai commencé comme assistant monteur, puis chef monteur, monteur son, puis je me suis dirigé sur la direction d'acteur en doublage et en post-synchro. J'ai fait Amour l'arbitre avec Monsieur Mocky, et puis j'ai travaillé avec Lelouch pendant 20 ans, plein de gens, voilà. Bonsoir, je suis Franck Villette, je suis acteur et réalisateur. Alors l'année dernière, j'étais à votre place, présenté un film qui s'appelle Sans froid, qui a eu une mention du jury pour le scénario. Et j'espère que vous nous allons voir de très beaux films pendant ce festival. Voilà, Clémentine Yelnik, donc ma planète d'origine, c'est le théâtre, comédienne, j'écris, je mets en scène aussi parfois. Et j'ai eu la joie de collaborer à la réalisation de ce film Robert sans Robert, parce que ça m'a permis d'approcher cette partie du cinéma que j'ignorais et qui est vraiment pas négligeable. Et puis ma vie théâtrale continue, à l'automne je vais jouer Camille Claudel et puis d'autres choses, voilà. Le cinéma est divisé en deux, les gens qui ont du pognon et les gens qui n'en ont pas. Je parle des réalisateurs, des producteurs. Alors il y a les grandes sociétés qui produisent des gros films, mais d'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas de fric, comme moi, mais comme beaucoup d'autres de jeunes, etc. Donc nous, notre problème dans l'avenir, qu'est-ce que c'est de faire un film sans technicien. Ça paraît curieux. Nous avons besoin, nous, d'aller à l'envers des autres, c'est-à-dire de diminuer le coût de nos films de façon à ce qu'un jeune homme puisse faire un film pour 15 000 euros et non pas pour 300, 500 000 euros qu'il ne trouvera jamais. Parce qu'évidemment, dans un film normal, il y aura 200 techniciens, 60 techniciens, 40 techniciens, mais dans le système vers lequel je vais, d'abord à cause de mon âge et deuxièmement parce que je veux réaliser des films que personne ne veut réaliser, je vais partir avec un ingénieur du son, moi-même je serai cadreur, metteur en scène, j'aurai un assistant et éventuellement un machinot ou un électro avec moi. Point à la ligne. Donc je vais rejoindre le peintre, je vais rejoindre le musicien, je vais rejoindre l'écrivain. Et je pourrai travailler sans que personne m'emmerde, sans que je sois obligé de me prostituer à faire soit des conneries, soit à rechercher pendant des années de l'argent. Et c'est ça le système pour les jeunes, pour l'avenir, parce que le cinéma est de plus en plus en danger, parce qu'on fabrique des films trop chers. Je peux vous citer 15 films français qui se sont pétés parce qu'ils coûtaient trop cher. Je vois un jeune réalisateur et une jeune réalisatrice qui a dépensé 6 millions d'euros pour une connerie, alors qu'elle aurait dû le faire pour 600 000 euros. Déjà, c'était beaucoup. On ne peut plus faire de film pendant 5 ans. Alors, moi, je suis comme ça. Je dis d'un côté, gardez votre argent, prenez le maximum de techniciens là où il y a du fric. Et les artistes jeunes ou vieux qui n'ont pas d'argent, eh ben, ils travaillent avec de moins en moins de moyens et ils peuvent faire des films pour 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Voilà, ça c'est la solution de l'avenir. Voilà, vous me demandiez quelle est la... Mais j'aurais préféré tourner comme au début en 35 avec 60 techniciens, j'aurais préféré, mais on ne peut pas. On fait des conneries. Alors regardez les 200 films français qui se sont faits cette année, il y a 180 conneries et 20 bons films. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre pourrait parler encore des heures, il est intarissable. Mais vous pouvez retrouver tous ces souvenirs dans l'ouvrage qui est en vente à l'entrée de la salle et que Jean-Pierre se propose de vous dédicacer en souvenir de cette soirée, de ce passage. On est là dans le jury. Le jury est au complet. Je crois que le jury est au complet. La sélection du festival du film artisanal et audacieux que nous allons vous présenter maintenant et la réponse à l'état des lieux du cinéma 2014, eh bien c'est sur l'écran que nous allons le voir maintenant. Non mais il y avait tellement de beaux films que c'était très difficile de faire un choix. Donc voilà, on a débattu longuement et on a, je pense, trouvé une justesse dans tous ces beaux films qu'on a vus. Et ça a pris du temps. Voilà. Moi, je peux témoigner, c'est la première fois de ma vie que je participe à un jury d'une telle ampleur. Je peux vous le dire, c'est terrifiant. Je dirais que chacun s'est battu avec ses sentiments, avec ses... C'est pas facile de dire ça me touche pas, ou ça me touche beaucoup, quand l'autre dit, ah bah non, bah oui, ah bah non. Je trouve qu'on était tout à fait équilibrés dans les prises de parole et dans l'investissement. On s'est tous engagés vraiment dans ces choix qui sont hyper difficiles à prendre. Voilà.
Moi, je veux juste dire que je ne suis plus cinéaste, maintenant, je ne fais plus rien. Et ce que j'ai vu pendant ce festival, je suis rassuré pour l'avenir, vous êtes vachement bien. C'est tout ce que j'ai. Juste beaucoup de violence, il y a un côté noir et glauque qui ressort de beaucoup de courts-métrages et c'est un mouvement qui était bien présent comme une thématique de l'époque. Ouais. C'était intense quand même, il faut dire. C'est forcément la première fois que je suis membre d'un jury. J'ai adoré passer toutes ces heures à visionner vos projets et vos œuvres parce que c'est très intense. Quelle richesse. Moi, j'ai hâte de faire du cinéma avec vous. Je vais essayer. Je vous donne mon CV si vous voulez pour être comédienne dans vos prochains films. Heureusement qu'il n'y a pas eu le prix du montage, parce que c'est une catastrophe totale. On ne peut pas savoir si un film, pour moi, il est bien monté ou pas, quand on ne sait pas ce qu'il y avait à l'origine, ce qu'il y avait au départ. Donc c'est un peu un non-sens. D'ailleurs, quand on me dit « Oh, il y a un bon raccord », je vais immédiatement l'enlever. On voit des films, et si le montage est en adéquation avec le film, c'est qu'il est bien monté. La difficulté de ce genre de jury, surtout de jury de court-métrage, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'on récompense. Est-ce qu'on récompense un film ou est-ce qu'on récompense des tentatives? Moi, ce que j'aime bien dans les courts-métrages, dans le genre de festival, c'est aussi de récompenser des idées, même si elles ne sont pas forcément abouties. Je trouve ça horrible, enfin, très dur, des films qui seraient déjà complètement formatés en court-métrage ou des copies de ce qui existe déjà. Jean-Pierre Mocquilly. Ça, il ne faut pas oublier que Steven Spielberg a commencé à 14 ans. Son papa lui a offert une caméra, ce qui n'est pas à la portée de tous. Et il a fait son premier film à 14 ans. Donc 14 ans, 12 ans maintenant, c'était il y a des années. Maintenant, les enfants sont plus précoces. On pourrait imaginer un festival avec des enfants qui auraient fait des films à 12 ans, 11 ans. Ce serait curieux de voir ce qu'ils pensent de la société d'aujourd'hui. Et Jean-Pierre, vous avez commencé comme figurant à l'âge de 9 ans sur les films de Marcel Carné. J'avais un œil sur le cinéma et on ne demande pas aux enfants ce qu'ils pensent des films parce qu'ici, il y a tous les gens qui ont assisté aux projections, y compris le jury, sont adultes. Et que pensent les enfants de nos films? Voilà. Qu'est-ce qu'ils auraient donné comme prix si le jury était composé par des enfants? Voilà. Question sans réponse. Alors revenons à l'enfant Jean-Pierre. On est des enfants retardés. Mais tous les artistes sont des enfants, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir les récompenses, s'il vous plaît? Alors, non pas les. Il faut pas le dire. Non, il faut pas le dire. On va faire un peu de. Je vais vous dire. Là, vous voulez vous dire tout? Non, Jean-Pierre. Je vais demander à Jean-Pierre, maintenant que la distribution des prix est terminée, de nous faire un discours de clôture, son souvenir ardéchois sur ces quelques jours qu'il a passé parmi nous. Ben oui, là, la Cayette, j'ai connu la Cayette. La Cayette, quoi. Bon, je croyais que c'était une petite caille, parce qu'elle était rôtie, alors je disais, c'est une petite caille. Bon, c'est pas une petite caille. Donc, il faut rendre hommage à tous ces gens que je ne connaissais pas, parce qu'ils m'ont écrit de Paris pour que je vienne là. Moi, je savais pas ce que c'était, ce truc-là. Donc, je connais un peu les festivals de courts-métrages, mais ce qu'il y a de bien là, c'est que c'est vraiment des gars qui se sont défoncés. Je les ai vus. Ils ont donné de leur personne, tous ces gens. Ils ont été à la fois hospitaliers pour recevoir les metteurs en scène. Donc, il est indispensable. Sergent, bloquez les issues. Juste là. Thomas, les issues! Ordre des échevins de la bonne cité de Joyeuse en Vivarais, le dénommé Jean-Pierre Mocquilly, drôle de paroissien s'il en est, est accusé d'insultes répétées à notre Sainte Mère l'Église, de moquerie envers l'Assemblée des élus du peuple, d'incitation à la débauche, d'atteinte aux bonnes mœurs et de moult autres troubles à l'ordre public. En conséquence de quoi, le sieur Jean-Pierre Mocquilly est condamné à subir la flagellation en place publique. Sergent, saisissez-le. Faites une photo. Ah, c'est pas lui.
elle bouge, elle s'en manifeste. Oh, la bonne musique, hein. Je sais pas. Oh, vous avez... Mais qu'est-ce que vous faites, là? Il est arrêté. Mais pourquoi est-il arrêté? Je viens de lire l'acte d'accusation, dame Garmeline. Mais je n'y étais point. Il a une trogne. La félicité. On l'accuse de quoi? Comment ça? Vous connaissez point Messire Monkey? Oh, il nous fait, c'est le meilleur réalisateur. Oh, non. C'est condamné. Oh, vous allez à la taverne le samedi soir, mais nous, non, hein? Ah, non. Nous, on y va, hein? Oh, qu'est-ce que c'est bien, on aime ce qu'il fait. Il suffit, dame Garmeline. Mais, allez, ah, diable, non, attendez, on va regarder s'il a la marque. Oh, que Dieu. Moi, je ne touche pas à cet homme. Pousse-toi, il faut que je regarde. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, tenez, monsieur, vous allez lire ce qu'il y a écrit dessus, hein? Ah, que Dieu nous protège, hein? Qu'y a-t-il écrit? Made in Deus. Made in Deus. Ah ben vous êtes sous. Oh, monsieur Monkey. Excusez-nous, monsieur Monkey. Vous n'avez pas Made in Luciferus. Gardez-la, ça. C'est votre billet de sortie de la cité. Merci. Hein. Oh. Vous voyez, Et monsieur Monkey, au nom des corbeaux de Taranis, je vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Voilà, donc ce festival est terminé. Merci pour votre attention. Merci aux réalisateurs de s'être déplacés. Sergent, Voisier. Et voilà, d'avoir accepté de coucher dans des temples. Moi, remarquez, je ne sais pas désagréable de coucher dans des temples, je l'ai déjà fait. Enfin, bon, la prochaine fois, on leur donnera peut-être une roulotte. Voilà, merci, à bientôt. Voilà, les amis, ben, on s'en va doucement vers la fin des haricots. Remarquez, j'aimerais avoir un an. Ce serait formidable de faire du cinéma et d'avoir un an. C'est très beau et je suis très touché que quelqu'un ait pris le soin et la patience de fabriquer ça. C'est pas facile. Et là, il y a tous mes amis. Jean-Pierre, vous avez un enfant, ça va vous faire. Parce que vous n'avez qu'un an. C'est ce que j'ai dit.